Quand je repense à ma saison de pêche avec Luque, il me revient un paquet d'images. Glacé des montagnes rocheuses jusqu'aux joyaux colorés du Pacifique, en passant par les marécages où la nature est menaçante, les insectes, les alligators, tout ça, qui attend rien que de te manger. Pour vivre la saison de pêche avec Ouké, je me suis tapé toute une virée. Oh my gosh! Je suis comme un 20 pieds d'un ours polaire, je sais même pas ce qui se passe! Le fait de se déplacer autant sur le globe, à droite puis à gauche, ça nous sort de notre zone un peu, puis ça crée une espèce de fatigue ambivalente. On sait plus exactement où on est. Se ramasser finalement dans une plantation de bananes avec Alexis. Quand les bananes sont vraiment jeunes comme ça, le sucre est encore tout dans la base. Fait que, aussitôt que je le coupe, faut que tu bois le plus rapidement possible. Man. Oh, mais quel... Wouah, cœur! Oh, man! Le pire goût inimaginable. C'est sec, là, pis le goût s'en va pas, même si tu bois de l'eau. C'est dégueulasse. Parmi tous les pays que j'ai visités, c'est en Suède que j'ai fait la prise la plus marquante de toute ma vie. C'est incroyable! Une belle grosse truite brune! Oh my God! C'était la grosse truite brune d'Armanas. Ce qu'on veut comme pêcheur, c'est le moment parfait. Tu sais, c'est ça. Mais je veux dire, tu veux ce que tu veux comme musicien aussi, c'est le moment parfait, ce que tu veux, n'importe quoi que tu fais. Tu sais. Mais comme pêcheur, c'est dur d'arriver là, puis c'est pas juste de la pratique, puis c'est pas juste de la préparation. Oh my God! Ah! C'est aussi de la chance, c'est aussi une connexion un peu avec la nature qui fait comme, OK, les étoiles étaient alignées, l'eau était belle, puis paf, ça s'est passé, puis ça, ça marche. Definitely, I'm coming back. Thank you so much. La plus belle prise de tout, le plus beau moment. C'est définitivement quand Fred a pogné le troisième saumon. On voulait un triplé dans les Trois-Rivières de Gaspé. Puis celui sur la York a vraiment été difficile à prendre. Vraiment, j'ai mal dans le bras, là. Good, non, pas mal. OK, good. Yeah! Yes! 1, 2, 3, man! Les trois rivières, man! C'est rare, man, que ça se jamais faire ça, man! Aïe, man! Puis quand il l'a finalement pris, ça s'est donné que c'était son plus gros à vie, en plus. C'était une prise mémorable. Ah! T'as-tu vu le sanglier? T'as-tu vu le sanglier, man? T'as-tu vu la bête? Oh, wow, man! Alors, j'ai vécu quoi, là? Wow! C'est une dualité intéressante de vivre beaucoup de frustration personnelle du fait de ne pas prendre de poisson puis de voir son partner avoir autant de succès. Dans des moments de frustration personnelle, ça fait toujours du bien de se nourrir du bonheur des autres. Oh yeah! On l'a fait! Deux guides, ils m'ont aidé à faire ça! Merci pour tout, merci pour la semaine de fou, là. Oh wow, wow. Ouais. La majorité des moments mémorables, ça se passe autour de la table. Souvent, c'est là où on arrête de faire ce qu'on fait, là, les travaux, peu importe notre travail. Donc, c'est toujours un moment où on est réceptif à ce que l'autre a à dire. Et juste de se mettre dans un état de réceptivité comme ça, ça porte aux confidences. Fait que c'est là qu'on apprend à se connaître.
Okay, je vais en faire really hard. We make it. Here. Cheers, man. To the big trout. To the big trout. That's awesome. Wildfire. Hello! Ce que je retiens de tous ces moments magiques-là qui se sont alignés un après l'autre, c'est que si on reste assis puis on fait rien, il n'y en aura pas de moments magiques. Des moments magiques, ça se crée avec des intentions, puis de l'énergie, puis une bonne vibe. Il faut prendre le temps dans notre quotidien de s'offrir du bon temps. Comme on dit, c'est bon pour le bonheur. Moi, en tout cas, c'est exactement ce que ma saison d'hockey m'a apporté.